Amis, frères et sœurs, en ce dimanche, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils et notre frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu pour nous retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur dans l'oratoire du Louvre. Nous saluons celles et ceux qui nous regardent à leur domicile, en France et à l'étranger, et peut-être particulièrement ce matin, nos amis qui sont aux États-Unis et qui vivent des moments difficiles et sans doute historiques. Le temps du confinement pour notre pays touche à sa fin et nous sentons que l'activité renaît dans notre société. Paris commence à reprendre ses couleurs. Nous avons tous espéré un monde d'après, différent, et déjà, des émeutes comme celle du monde d'avant nous replongent dans la violence du racisme, comme vous avez tous pu le voir. Quelle régression ! Alors que ce temps de culte nous aide à combattre dans notre vie, contre la haine, à combattre les vieux démons de la haine de l'autre. Il nous faut encore de la prudence pour tous nos frères et sœurs, de la prudence sanitaire cette fois, mais déjà le temps d'inventer demain est là et dans la foi nous y travaillons. Nous louons le Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, quelle est ta puissance ? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il dansera de joie. Alors, dans le recueil Louange jubilaire, quand même ? Non. Ah non, c'est pas ça. Donc, vous avez reçu le psautier français ? Bon, ouais. Très bien. Alors, dans ce recueil, le psautier français, nous vous invitons à chanter le psaume 72. De ce psaume 72, nous prendrons les quatre strophes. Il s'intitule « Revêt, Seigneur, de ta justice » et nous vous invitons à vous lever.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous demande à travers le prophète Michée. On t'a fait connaître ce qui est bien, et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que ces paroles nous conduisent dans nos vies. Et je vous invite ensemble à nous replacer devant le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un cri que je veux partager avec vous. C'est mon cri d'indignité. Car devant ce que nous voyons dans notre monde actuellement, devant les relents de haine, mais aussi devant tous ces gens qui manifestent pour l'égalité entre les uns et les autres dans ce monde, il est bon de ne pas se taire. Seigneur, alors que la violence raciste nous meurtrit et met à mal l'espérance d'une humanité fraternelle, je crie vers toi. Aujourd'hui, je suis noire, avec Césaire, avec Senghor ou avec Luther King. Ce n'est pas ma peau qui est noire, ce n'est pas mon chant, c'est ma robe qui est noire. Robe noire de l'exigence de ton évangile, noire de la justice de ta parole, noire du devoir de ton humanité. Aujourd'hui, je suis noire. Ce n'est pas ma peau qui est noire, ce n'est pas mon chant, c'est mon âme qui est noire. Noire de rage en voyant la Bible dans la main de l'homme raciste. Noire de colère en entendant le cri d'une planète qui peine sous les plaintes étouffées. Noire de ténèbres, en relisant l'histoire de notre iniquité. Aujourd'hui, je suis noire, et j'élève mon âme vers toi, qui n'a pas de couleur. Jusque à quand ton nom pour étayer la haine? Jusque à quand le diable noir et toi, le dieu des blancs? Jusque à quand le droit aura-t-il une couleur? Aujourd'hui, je suis noire avec tous mes frères humains, ceux qui croient en ton amour, ceux qui croient en ta justice, ceux qui savent que ce qui est diabolique, c'est l'injustice et la partialité. Aide-nous, Seigneur, dans cette lutte contre la haine, car déjà nos frères ne peuvent plus respirer. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec le psaume 92, la strophe 2. Thank you.
Et nous partageons la confession de foi de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui se fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Et nous chantons ensemble dans les spontanés que vous avez au début de vos psautiers français. Grand Dieu, nous te bénissons. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Tu montes. Je prends juste ça. Le reste, je fais. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles soient pour nous paroles de vie. Éternel, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous prendrons aujourd'hui au chapitre 10 un extrait de ce chapitre entre les versets donc 23 et 48.
Le lendemain, Pierre partit avec eux, accompagné par quelques frères de Joppé. Le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, les attendait. Il avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre, et il l'aida à se relever. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conservant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venue quand tu m'as fait demander. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et Corneille de répondre, « Il y a 3 jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides s'est présenté devant moi et m'a déclaré « Ta prière a trouvé audience. Corneille, de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppé pour inviter Simon, qu'on appelle Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison d'un autre Simon, le corroyeur, au bord de la mer. Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte en vérité que Dieu n'est pas partial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres, hommes, témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem, lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom, à quiconque met en lui sa foi. » Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre.
Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, peut-être vous êtes-vous amusés un jour à répondre à cette question. Si jamais vous deviez rester sur une île déserte, le restant de vos jours, quelle chose la plus importante vous emporteriez avec vous? La réponse est toujours difficile parce que cela oblige à choisir, et que choisir, c'est renoncer. Alors imaginons que la question soit posée par rapport à un passage de la Bible. Je n'ai pas dit toute la Bible, ce serait trop simple. Mais un passage de la Bible. Eh bien, j'imagine que la réponse ne serait pas plus facile. Mais je me prends à rêver que le texte biblique confié à notre méditation aujourd'hui pourrait en faire partie. Parce que c'est un texte suffisamment important dans lequel on apprend que Dieu ne fait de différence avec personne. Oh, bien sûr, le dire de cette façon, cela semble facile, et en théorie, nombreux sont ceux qui sont d'accord avec cette affirmation. Mais en sommes-nous si convaincus ? Pour arriver à cette affirmation que Dieu ne fait de différence avec personne, regardons comment le texte des Actes que nous venons d'entendre nous est présenté. Tout d'abord, c'est un texte très long qui comporte 48 versets et il est très détaillé et nous n'en avons lu qu'un extrait. Nous retrouvons l'apôtre Pierre que l'on connaît bien, c'est un homme juif, disciple de Jésus de Nazareth, dont la mission qui a démarré très fort en Galilée, s'est intensifié à la fête de Pentecôte par le don de l'Esprit qui a été fait aux disciples dans la chambre haute. Les apôtres sont maintenant dehors, ils témoignent, ils disent avec leurs propres mots et sans aucune peur ce que le Christ représente dans leur vie. Et Pierre parle, prêche, guérit, fait des miracles. Et là, il est à Joppé,
en territoire juif. Nous faisons aussi la connaissance d'un autre homme, Corneille, que l'on ne connaît pas. C'est un soldat de l'armée romaine, un centurion. Il est à Césarée, territoire romain. Corneille est un homme juste, nous dit-on. Bien que romain, il est proche du judaïsme. Il est un craignant Dieu et plein de piété. Craignant Dieu et piété. Ces deux mots rassemblent déjà deux cultures. La piété est un mot et une notion grecque que le christianisme primitif n'assimilera que tardivement. La crainte de Dieu est une expression d'origine juive qui suppose la foi au Dieu d'Israël, qui implique la fidélité à toutes les exigences de l'alliance relative à Dieu et à autrui. Les craignants Dieu désignent donc les non-juifs qui se sont convertis au judaïsme sans toutefois aller, comme les prosélytes, jusqu'à la circoncision. Corneille et les siens appartiennent à ce milieu. Ce chapitre du livre des Actes nous raconte la rencontre de ces deux hommes, et cette rencontre n'est pas fortuite. Elle a été soigneusement préparée en amont de chaque côté. C'est une rencontre qui va tout changer, les perspectives religieuses du judaïsme d'une part et du paganisme d'autre part. Deux mondes qui s'opposent vont se rencontrer, des frontières vont être franchies, repoussées, déplacées. La première qualité de Corneille est la justice qu'il pratique de manière intègre par des aumônes généreuses, accompagnée de sa prière fidèle. Le récit débute avec la vision dont il fait l'expérience. Un messager divin avertit Corneille que Dieu est attentif à sa prière, mais également à ses actes. Corneille a en quelque sorte trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le messager lui demande de faire venir un certain Simon, surnommé Pierre, qui réside à Joppé. Corneille obéit, écoute et ne pose pas de questions. Il envoie deux serviteurs et un soldat chercher Pierre. De son côté, Pierre reçoit également une vision étrange et déstabilisante. Le ciel est ouvert. Quelque chose qui ressemble à une toile de tente immense se déploie sur toute la terre, tendue par les quatre coins. Et dans cette toile sont rassemblés tous les animaux de la création, dont l'énumération approximative rappelle celle du livre de la Genèse. Mais en même temps, la symbolique de cette vision en rappelle une autre, celle qui ouvre le livre du prophète Ézéchiel. Et Pierre entend une voix qui lui donne l'ordre de tuer ces animaux et de les manger. Déconcerté, Pierre s'oppose à cet ordre. Les animaux purs et impurs, définis comme tels dans le livre du Lévitique, sont mélangés. Et il n'est pas question pour Pierre de violer les règles alimentaires fondamentales qui séparent le peuple juif des païens. Cette séparation lui donne justement toute son identité, mais la voix insiste. Ce que Dieu a purifié ne va pas le déclarer interdit. Le bouleversement de Pierre est total. Il ne sait pas du tout comment interpréter cette vision, pour le moins insupportable, qui le pousse dans ses retranchements au-delà des interdits alimentaires. Il doit manger de la nourriture que son estomac ne peut supporter, des aliments qu'il déteste à coup sûr, et qui, sans exagérer, le dégoûte. Alors, avec cette vision proche de l'abomination, de la désolation, c'est toute son humanité qui est chamboulée. Et pour comprendre ce qui se passe, en particulier le cheminement parcouru par Pierre, il faut se souvenir que l'Église naissante était traversée par différents courants, et que l'un d'eux n'envisageait pas d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ hors du peuple d'Israël. Ce courant attaché à l'observance de la loi n'envisageait l'annonce de l'Évangile qu'à des circoncis. C'est pourquoi Pierre n'est accompagné que de circoncis.
et quand plus tard il devra rendre des comptes sur ses agissements devant l'Église mère de Jérusalem, il sera questionné par les circoncis qui l'accuseront d'avoir transgressé la loi en fréquentant et en ayant partagé la même table avec les païens. Depuis sa rencontre avec le Christ, Pierre fait un chemin parsemé de contradictions. Pierre est celui qui doit toujours choisir, en abandonnant quelque chose de sa fidélité ancienne. Pour rester en vie, il renie son maître, malgré son attachement profond à Jésus. Pour obéir à Dieu, il est obligé de se faire violence en mangeant des aliments qui le révulsent. Pour devenir apôtre de la grâce et annoncer l'évangile aux païens, il est obligé de rencontrer et de loger chez un étranger, un occupant romain. Les frontières bougent pour Pierre, et certainement pas comme il l'avait imaginé. Mais depuis son appel sur le lac de Tibériade, les lignes avaient déjà bougé. Il y avait ces récits où Jésus prenait de la distance vis-à-vis du joug de la loi qui pèse sur le croyant. Il y avait déjà l'évocation de l'impasse dans laquelle l'homme pouvait s'enfermer par l'application littérale de la loi. Malgré le don de l'Esprit qu'il a reçu à Pentecôte, Pierre reste, à juste titre, conditionné par le rituel religieux qu'il a reçu et qu'il s'honore de pratiquer. Jusqu'à la vision qu'il reçoit, Pierre est lié à la mise en pratique de la loi, même s'il manifeste une légère ouverture en acceptant de loger à Joppé chez un corroyeur, autrement dit un tanneur, un ouvrier sur cuir qui travaille la peau d'animaux morts. Les frontières bougent, certes, mais il lui faudra trois passages de la vision, une parole de l'ange, une marche d'une journée et des dialogues pour découvrir une parole qui va transformer non seulement sa propre annonce de l'Évangile, mais également toute sa vie. Ceci dit, les frontières se déplacent aussi du côté de Corneille. Lui, le représentant de l'occupant romain, avec toutes les images sûrement négatives liées à son statut, est présenté comme quelqu'un qui a fait une des démarches vers Dieu par le chemin du judaïsme. Mais il n'est qu'au début de son aventure spirituelle. Il y a encore un chemin à faire. Alors il reçoit cet appel pour écouter un homme dont il ne connaît pas le contenu de son message. Par ce récit des Actes des Apôtres, c'est l'auditeur qui est invité à déplacer ses propres frontières, mandaté ou formaté par sa culture, son sexe, son éducation, son statut social, son rituel religieux, ses interdits alimentaires. Nous sommes aujourd'hui les auditeurs de cette parole qui nous invite à ouvrir grand non seulement nos oreilles, mais aussi notre intelligence pour élargir notre réflexion et nous sensibiliser à une prise de conscience. Nos chemins de vie sont balisés de choix qui nous ont conduits ou qui nous conduiront à des renoncements et à accepter que tout ce que nous croyons fondamental dans nos vies n'est pas forcément définitif. Nous sommes devant l'inattendu de Dieu qui ouvre de nouvelles perspectives et nous oblige à nous déplacer. Ces nouvelles perspectives se traduisent pour Pierre par un geste. En arrivant dans la maison de Corneille, celui-ci accueille Pierre comme un envoyé de Dieu. Il s'agenouille devant lui et Pierre lui dit « Lève-toi ». Et il l'aide à se relever en lui disant « Je ne suis qu'un être humain comme toi ». Voilà la première égalité que Pierre reconnaît à Corneille. C'est leur humanité commune. Et la suite qui permet de se déplacer, c'est cette parole.
Pierre rappelle l'interdit originel selon lequel c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations ou un contact avec un étranger, mais il raconte sa conversion à l'inattendu de Dieu selon lequel il ne faut déclarer aucun être humain impur ou immonde. Voilà la seconde égalité qui relie Pierre à Corneille. Alors bien sûr, Pierre aurait pu s'octroyer un pouvoir lié à sa fonction de nouvel évangéliste, si j'ose dire. En tout cas, il pouvait se positionner en un homme de pouvoir, conforté d'une part par la mission qu'il avait reçue du ressuscité, de conduire le peuple, confirmé par le don de l'Esprit qui lui donne autorité. Mais il se positionne en homme de bonne volonté, qui reconnaît en l'autre son humanité, y compris en celui qui n'est pas issu de la même tradition religieuse que lui. Pierre comprend alors la vision qu'il a reçue et il en exprime le sens profond. En annulant la distinction entre les animaux purs et impurs, Dieu a annulé par voie de conséquence la possibilité de la souillure contagieuse que contractaient les païens quand ils mangeaient des animaux impurs, ce qui les rendait infréquentables pour les juifs. Et voilà que Pierre a l'intime conviction révélée par l'Esprit que Dieu n'est pas partial et que pour lui, aucun être humain n'est méprisable. Et Pierre repousse encore plus loin les frontières qui ne sont plus là où on le pensait. En toute nation, quiconque craint Dieu et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Prenant appui sur la conduite de Corneille, voilà ce que l'Esprit donne à Pierre de traduire avec ses propres mots. C'est la justice et la crainte de Dieu, autrement dit le respect de Dieu, qui prime sur le rite religieux. Ce n'est plus la pureté ou l'impureté qui rend l'être humain agréable à Dieu, mais la qualité de sa relation à Dieu et à son prochain, qui est encore une autre façon de décliner les deux commandements, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Et si c'est cette qualité de relation qui devient la nouvelle norme, alors elle déplace largement la famille religieuse, y compris celle dans laquelle elle puise ses racines. Elle dépasse largement ce que nous appelons l'Église visible qui en délimiterait les contours pour s'élargir aux dimensions inconnues de l'Église invisible, sans frontières et sans dénomination, où Dieu se laisse découvrir, rencontrer en chacun et chacune. Nous sommes ici devant le témoignage d'une grande révolution qui n'en finit pas de bouleverser les mentalités humaines. Elle fait violence aux habitudes. Elle s'en prend aux a priori. Elle fait voler en éclats les constructions morales et elle s'attaque aux tabous. Celui qui annonce l'Évangile à des gens différents est appelé à comprendre les tabous de l'autre, mais aussi à les surmonter, non pour anéantir, écraser ou imposer, mais pour ouvrir à une plus grande liberté. Cette révolution commence par le fait que l'Esprit du Dieu polyglotte, donné à Pentecôte aux Juifs de Jérusalem, et magnifiquement développé la semaine dernière par ma consœur Béatrice, parle aujourd'hui à toute personne qui cherche le divin de tout leur cœur et qui le manifeste par une vie spirituelle, se traduisant par l'harmonisation des rapports humains, orientée inlassablement vers la recherche de la justice et de l'équité. Et selon le discours de Pierre, cette révolution s'enracine dans la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, qui n'a de cesse d'annoncer un Dieu en qui il n'y a aucune discrimination, ni de race, ni de culture, ni de sexe. Elle se traduit par cette affirmation « Dieu ne fait pas de différence entre les êtres humains ».
L'évangile est l'annonce d'un salut universel déjà réalisé en Jésus-Christ, mais encore à réaliser au sein d'une humanité divisée. Pierre suspend un instant son discours et Corneille et les siens ne réagissent pas encore à ce que Pierre vient de dire. Il n'a même pas le temps d'appeler son nouvel auditoire à la conversion que l'Esprit-Saint se répand sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il se produit sur Corneille et l'ensemble de sa maison le même phénomène que pour les apôtres à Pentecôte, les flammes et le vent mis à part. Mais au fond, le résultat est le même. Chacun parle, traduit et célèbre la grandeur de Dieu. Chacun dans sa langue qui devient d'une certaine manière la langue du cœur. Et le phénomène est suffisamment fort pour que les compagnons de Pierre, ces croyants circoncis, soient stupéfaits et réalisent que l'affirmation que Dieu ne fait pas de différence est en train de se concrétiser. Chacun est là pour accueillir et reconnaître que Dieu garde l'initiative du don de l'Esprit qui souffle où il veut. Pierre propose de baptiser Corneille et l'ensemble de sa maison. Le baptême est là comme une réponse à cette grâce première de Dieu pour tout être humain qui se donne à reconnaître dans des situations et des rencontres inédites. Le baptême devient alors le signe visible de la grâce invisible, disons-nous, qui est finalement la définition du sacrement. Amis, frères et sœurs, l'Église naissante est confiée à des êtres humains de bonne volonté. Elle va essayer de s'organiser autour de ce principe que ce n'est plus une étiquette religieuse qui sert de référence, mais une éthique, un comportement basé sur la justice, mais aussi sur le partage et l'hospitalité sans condition. N'y a-t-il pas ici une annonce d'un évangile idyllique ? Il semble que ce soit très difficile d'accueillir les idées de l'autre, tant sur les questions religieuses qu'éthiques ou sociales. Et si l'on fait le bilan, ne serait-ce que des 2000 ans de christianisme dont nous héritons aujourd'hui, sans faire le procès du passé qu'on ne peut changer, et parce que le chrétien, aussi libéral qu'il soit, n'échappe ni aux tabous ni aux interdits, eh bien le texte d'aujourd'hui possède la force insoupçonnée de nous faire réfléchir. Il peut nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il peut changer nos vies grâce à une compréhension renouvelée de l'Évangile. Il peut nous faire vivre de nouvelles conversions en accueillant ce fameux Évangile intégral, si cher à l'engagement du pasteur Wilfred Monod, qui concerne notre humanité tout entière. Les chrétiens sont dépositaires d'un message libérateur, à la fois spirituel et social, mais pour que ce message soit compris comme un projet de paix égalitaire et d'accueil réciproque, et non comme une supériorité despotique, il nous faut sans cesse réviser toutes nos croyances paralysantes et oser s'ouvrir à la foi de l'autre, de tous les autres. Nous savons aujourd'hui, et l'actualité est dramatiquement là pour nous le rappeler, grandes sont les tentations qui perdurent de considérer l'autre comme immonde en maintenant la ségrégation raciale, sans oublier la discrimination entre les hommes et les femmes et la critique de certaines formes de conjugalité qui conduisent à la brutalité, à l'agression, voire à l'assassinat. La suspicion malsaine face aux maladies incurables ou pandémiques, mais également aux handicaps. Et sans oublier tous les méprisés de l'Église et d'ailleurs. Nous avons chacun nos immondes, que pourtant l'Évangile nous exhorte à faire entrer
dans notre monde. Cependant, nous pouvons dire notre reconnaissance pour les acteurs de tous les dialogues sociaux, interculturels, œcuméniques, interreligieuses, qui s'engage à promouvoir la fraternité universelle, qui veille à encourager un vivre ensemble paisible. Tous ces dialogues nous placent en confiance les uns avec les autres, en sentinelle, face au déferlement de violence qui dépasse largement la question religieuse. Si Dieu est le Seigneur de tous, comme nous le raconte si bien ce récit de la Pentecôte des païens, son amour sans condition manifesté en Christ nous appelle à dépasser nos répulsions et nos jugements hâtifs et à déployer les valeurs humaines de justice, de vérité, de liberté, de respect et de dignité. Pierre aurait pu passer son chemin ou prendre une autre direction. Il ne l'a pas fait. Il s'est mouillé dans son monde d'après. Et nous, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous être dans notre monde d'après? Si nous ne sommes pas sûrs de notre réponse, demandons à l'Esprit-Saint de nous conduire et de nous aider à discerner par où aller et par quoi commencer. La Pentecôte est aussi pour nous. Amen. Je vous invite à prendre les cantiques, louanges et prières que nous ouvrirons au numéro 222 et de ce cantique nous chanterons les trois strophes et je vous invite à vous lever. Thank you.
Éternel, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande, qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Éternel, Dieu de la vie, nous te remercions pour le culte d'aujourd'hui qui nous rassemble. Merci pour ta parole qui nous pousse sans cesse dans l'innovation. Merci pour ton esprit qui souffle et déplace nos frontières. Nous te remettons la semaine qui s'ouvre, chargée de travail et d'engagements divers, pour que tu puisses guider nos échanges et assurer de ta bienveillance les regards que nous portons sur nos diverses expériences. Éclaire-nous, soutiens notre démarche pour écarter nos craintes et nous permettre d'avancer et de renouveler notre service. Bénis l'ensemble de nos relations fraternelles. Qu'elles soient en tout temps le signe de la communion de l'Église universelle au témoignage de l'Évangile et au service de notre prochain. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans le monde, proclament ta parole au risque de leur vie. Et nous te prions pour celles et ceux qui, partout dans le monde, soignent celles et ceux différents au risque de leur vie aussi. Nous te confions celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, quelle qu'en soit la raison pour ce temps de culte, garde-les dans ta présence. En communion avec tous les frères et sœurs dans la foi, en communion avec les frères et sœurs en humanité, avec celles et ceux qui vivent leur foi autrement que nous, nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Et nous te présentons celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Ensemble, liés les uns aux autres, présents et absents, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de repartir dans ce monde, celui que le Seigneur nous demande d'aimer. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu qui n'est jamais partial nous bénisse toutes et tous. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour attendre que l'on puisse vider le temple par le fond. Mais on entend notre organiste Alexandre Korovitz qui était avec nous aujourd'hui et qui a joué pour nous. Merci Alexandre.